Salut les gens, c'est Maudemonde de chez The Free Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se trouve pour une vidéo assez particulière sur Minecraft, vu que la série 4 Mario vient de finir, il faut bien que je me mette sur quelque chose d'autre. Et aujourd'hui un petit épisode sur Minecraft sur comment faire spawn un zombie géant. Donc vous devez faire cette commande, donc Summon Giant avec bien un G majuscule. Vous pouvez aussi le faire en commande, ça dérange pas du tout, moi je préfère juste faire comme ça. Et après, vous appuyez sur Entrée ou si c'est sur un command block, donc l'idée 137, vous appuyez. Et là, vous voyez quoi? Un zombie géant. Donc, vous pouvez lui faire un câlin. Hein, regardez, il nous tend les bras. On peut pas lui taper sur la tête, sur le torse. On peut lui taper que sur le torse et les jambes. Et vous voyez quand même, il est énormément résistant. Il peut vous faire énormément de dégâts si vous mettez en mode survie. Moi, je vais pas le faire parce que. Vous voyez bien. Donc, on va faire la comparaison entre un zombie comme ça. Un zombie géant, ça se voit tout de suite. Quoique celui-là est un peu plus grand que celui-là, on sait pas. Donc je vais le dégager. On peut même faire un système un peu plus sophistiqué pour les malades. Si vous voulez que votre jeu crache, comme je l'ai fait dans un épisode, vous pouvez faire ça. Non, comme ça. Vous regardez le système. Vous pourrez mettre sur pause si vous voulez comprendre comment ça marche. Vous faites ça. Vous mettez une torche de redstone. Voilà, vous cassez, vous en mettez un immédiatement. Et vous voyez, ça spawn à l'infini, c'est complètement what the fuck. Donc moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour une vidéo sur The Free Gaming. Et je vous dis à la prochaine et salut les gens!